Aujourd'hui, je vais vous parler du son, the long O sound. Ce son-là est un peu difficile pour les élèves français. C'est un diphtongue parce qu'il y a deux sons dans le même son. Par contre, il faut positionner sa bouche comme si on allait faire un E et après changer d'avis pour faire un O. Donc je vous montre, je positionne ma bouche comme si j'allais dire E, mais je ne le dis pas le E, donc O. O. Et en fait, à la fin du son, je vais en bas, O, chercher un W. O. Donc, boat, boat. Voilà, ce son est un peu difficile, mais dès qu'on positionne la bouche correctement, on arrive à faire la prononciation.